Bonsoir David, mesdames et messieurs, bonsoir. Odienné est depuis ce matin la capitale de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont arrivés ce matin à Odienné, chef-lieu de la région de Kabadougou, dans le district du Dengélé, 5 années après la campagne de 2010. Le président de la République revient donc en famille, dans sa famille maternelle. Sa mère, Feu Nabitou Cissé, est originaire de Belimba. Avec notre reporter Nguessambi, voici l'ambiance qui prévalait ce matin à l'accueil du couple présidentiel. On le croyait plus fils du district des Savanes. On le croyait aussi plus adulé dans les régions du pays dans lesquelles il s'est rendu en visite d'État. Alassane Ouattara reste et demeure dans les liens et amours sacrés de sa terre maternelle. Tout commence en fin de matinée où le soleil se voulait plus ardent que jamais. 11h35, l'heure à laquelle l'aéronef transportant le président de la République Alassane Ouattara se pose à l'aéroport de la ville. Le fils devenu président de la République, accompagné de son épouse, peut commencer à communier avec les siens. Dans un autre costume désormais, celui d'un homme d'État, Alassane Ouattara reçoit les honneurs du monde militaire avant de trouver et retrouver un autre monde qui l'attend en compagnie d'un soleil discourtois. Savait-il qu'il était attendu? Si attendu sur la terre du Dengélé? Sans doute, mais certainement pas avec une telle mobilisation. Une démonstration de mobilisation ou l'accueil d'un digne fils unique en son genre. En tout cas, c'est à une marée humaine que Alassane Ouattara a eu droit pour lui souhaiter y danser. Et ce n'est pas exagéré que de dire que cette marée était haute. Debout tout au long d'un parcours impressionnant, l'émotion et les souvenirs pouvaient voguer et des yeux de l'homme, mais aussi des yeux des Odienéka. Tel un nef, le cortège d'Alassane Ouattara a vogué au gré des flots impétueux qu'il va côtoyer jusqu'à sa résidence. Même amarré ou à quai, les vagues à côté de leur grondement se faisaient toujours menaçantes. Alassane Ouattara au Odienné, la terre n'a peut-être pas tremblé, mais elle a dû gémir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc entamé ce matin une visite d'État dans le district du Dengélé. Le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang et à un accueil des plus chaleureux des populations venues des régions du Kabadougou et du Folon. Jamais de mémoire d'Odienéka, Odienné a vécu une telle animation. Jamais de mémoire d'habitants de cette ville, Odienné a connu de tels embouteillages et un tel déferlement humain. Les Odienéka sont sortis en grand nombre, qui à moto, qui à voiture ou à pied. D'autres ont utilisé des cars de ce genre. En tout cas, peu importe le moyen utilisé. Motif, accueillir un fils de la région. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui entame ce matin dans le district du Dengélé une visite d'État. Occasion très attendue depuis bien longtemps. Nous sommes là pour l'accueil d'Ado, qui est notre fils charmant qu'on adore beaucoup. Et nous sommes très heureux de l'accueillir. Bon, on est vraiment heureux. Tellement la joie, on est dépassé, on ne sait pas comment s'exprimer. On est venu voir M. le Président, d'abord parce qu'il fait beaucoup vraiment pour la population ivoirienne. Et nous sommes très fiers d'ailleurs qu'il soit un digne fils d'Odienné. Tous attendent beaucoup de cette visite qui apportera un souffle nouveau à la région. Il est tout à fait important que tous les fils et tous les fils de la région sortent pour accueillir le président, pour lui témoigner de notre reconnaissance et lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Et ça sera aussi l'occasion de toucher du doigt les réalités de ce grand district qu'est celui du Dengélé. Pensons que cette visite va apporter beaucoup de choses au plan du développement économique et social aux différents départements, aux différentes localités, pour que nous puissions embarquer en première classe dans le train de l'émergence. Et c'est à 12h05 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville d'Odienné.
Accueilli par les autorités locales, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, quelques membres du gouvernement et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau de l'État pour recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, deux pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe et trois sections de forces terrestres aux ordres du lieutenant-colonel Dramane Traoré, commandant le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest, suivi de quelques poignées de main aux autorités militaires et préfectorales. Après quoi, l'hôte du Denguili a communié avec les Odienika qui ont rivalisé d'ardeur pour toucher et voir de près leur président, donnant du coup du fil à retordre aux agents de la sécurité. Le président de la République Alassane Ouattara sera demain dans les départements de Ménignan et Kanyassou. Le peuple du Denguele, heureux d'accueillir le président Alassane Ouattara sur son sol, a réagi au micro de Mamadou Kouassi. Les populations placent cette visite sous le signe du développement et de l'union sacrée pour combattre la pauvreté. C'est le retour de l'enfant prodige, mais de toute façon, on n'avait vraiment pas de doute quant à sa venue, parce qu'en tant que chef malinqué, il devait aller régler tous les autres problèmes avant de venir prendre les dernières bénédictions. Il a entamé un train de développement pour tout le pays. Vraiment, le félicite. Voilà, et que Dieu lui donne la force de réussir entièrement sa mission. Voilà, c'est ça notre fierté. Et nous sommes fiers de nous retrouver aujourd'hui pour accueillir ce digne fils Alassane Ouattara, qui gouverne la Côte d'Ivoire de façon magistrale et qui permet aux populations ivoiriennes aujourd'hui de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Oudéné, depuis très longtemps, avait été considéré comme une région très en retard. Et avec tous les investissements que le président vient de réaliser, avec l'émotion et l'union que le président suscite, l'arrivée du président suscite dans la région, je pense que ce sera un facteur de développement. Depuis les préparatifs jusqu'à aujourd'hui, il y a une union parfaite entre les fils d'Odiné. Et je crois qu'après son départ, cette unité, cette fraternité va se poursuivre. La visite du chef de l'État vient donner une âme à un district qui en manquait un peu. C'est un nouveau départ que le district est en train de prendre. Et surtout, avec les jeunes cadres qui montent en puissance, c'est certain que plus jamais le département, sinon le district d'Odiné, ne va accepter la désunion de ses enfants. Dans toutes les sociétés africaines, le neveu est sacré. Donc, aujourd'hui, tout Odjené est mobilisé pour recevoir dans l'allégresse notre fils qui arrive, notre président vénéré. C'est pour ça que nous bravons le soleil. Si après le soleil, la pluie tombe, nous serons sous la pluie. C'est le Messie qui arrive, il faut que nous soyons là pour l'applaudir, le toucher. Il apporte le développement, il apporte la réconciliation. Le président de la République est arrivé à Odiené donc pour une visite d'État très attendue dans le district du Denguele. Pour l'accueil, les populations se sont mobilisées depuis ce matin de très bonne heure. Avec elles, les groupes de danse et d'animation venus dire y danser au président Alassane Ouattara. Voici l'ambiance avec Mamadou Kouassi. Une foule heureuse et excitée que les forces de l'ordre ont du mal à maîtriser. Elle tient à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, jusqu'à sa résidence d'Odiené. Dans cette foule, des enfants, des jeunes, des femmes et même des vieillards qui ont bravé le soleil et tous les obstacles rencontrés tout le long du parcours. 10 km à part de course pour un parcours fortement sécurisé. Parmi cette foule enthousiaste, la présence de groupes de danse et d'animation. Les élus et les cadres souffrant de la canicule étaient bien en place pour dire y danser au président Alassane Ouattara. Ils voulaient tous lui exprimer leur reconnaissance pour le développement et surtout pour la promotion des fils et filles du district du Denguele. En quelques années seulement, on a vu le travail que le président de la République a bâti chez nous. Donc tous les villages du canton sont électrifiés, la route est en train d'être faite et tout le département du Denguele est en train d'être bien traité. Nous sommes là, nous les femmes, pour dire merci à notre fils.
pour lui dire que nous sommes de cœur avec lui. On est debout pour lui, matin, midi, soir. Il a besoin de nous, il n'a qu'à lever le petit doigt, on est là pour lui. Odiene a fait montre de sa détermination à battre le record de la mobilisation de toutes les visites d'État. En témoignent les articles et autres uniformes à l'effigie de coupe présidentielle. Même des heures après le passage du cortège présidentiel, l'on pouvait voir des gens en train de déviser sur cet accueil familial. Le président Alassane Ouattara est chez lui, dans le Dengele, jusqu'au 24 mai, pour une visite d'État. Avant d'entamer ce périple de 5 jours sur la terre de ses ancêtres, le chef de l'État a rendu visite au chef et à la notabilité du district du Dengele, à la résidence du chef de canton. Et ils lui ont donné leur bénédiction. Compte rendu à Ouattouré. La visite historique d'un fils de la région à ses parents maternels. La première que le fils devenu président de la République rend à sa famille. C'est donc tout naturellement que le président de la République Alassane Ouattara, dès son arrivée, est allé à la rencontre des chefs et de la notabilité du Dengele. À ce rendez-vous, tous les chefs des cantons et la notabilité du district du Dengele, notamment les cantons Nwolo, Nafana, Fiena, Bodougou, Bodjogo, Tron, Foulon, Sofa et Massala, avec à leur tête les chefs des 3 grandes familles Touré. El Hadj Touré Lansiné de Vakabala, chef des cantons. El Hadj Touré Mamadou de Mamiridougou. El Hadj Touré Bakara Mogo de Sanissidougou. Et le chef de Kabla de Siginani, Sissé Koshaka. Le chef de l'État respectueux de la tradition est venu demander les bénédictions de ses parents pour la réussite de la visite d'État qu'il entreprend dans le Dengele. Les chefs et la notabilité du Dengele ont accordé leur bénédiction à leur fils, qui pour eux est leur bijou le plus précieux. Les têtes couronnées du Kabadougou et du Folon ont exprimé leur fierté et salué l'immense travail abattu en 4 ans par le président Alassane Ouattara. Excellent, monsieur le président, les chefs traditionnels se sont réunis. Et ils ont décidé de vous confier à nouveau à la population ivoirienne. Au départ, c'était un risque. Prendre son enfant, le confier à la population ivoirienne pour qu'il assume une telle responsabilité, c'était un risque. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Eux qui sont vos parents, ils avaient le sommeil troublé. Mais vous avez été un fils digne. Vous avez été un fils qui les a honorés. Aujourd'hui, vous êtes devenu l'espoir de toute l'Afrique. Vous êtes devenu l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'espoir du Dengele. Il voudrait, à travers tous ces propos, vous féliciter, féliciter la Première Dame pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes du Kabadougou. Ces premiers gestes ont sorti ces femmes d'une longue durée de pauvreté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit les fonds forcés pour celles qui en ont bénéficié, que ce soit le matériel agricole qu'elle a donné, en tout cas, ces femmes aujourd'hui produisent du vivrier et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à elle. La notabilité a apporté son soutien total à son fils et s'est engagée à lui accorder un score de 100% à la prochaine présidentielle. Cette rencontre familiale s'est achevée par des doigts, des bénédictions pour le chef de l'État, qui est désormais le président des cadres du Dengele, et son épouse Adja Fandagbe Touré, présidente des femmes du Dengele. Et le reportage était signé de Awa Touré, fille du Dengele. Le président de la République est attendu demain jeudi à Minignan, chef-lieu de la région du Folon, une région qui place beaucoup d'espoir dans cette visite au regard des nombreux défis à relever en termes de progrès et de développement. Gros plan sur Minignan, localité située à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, avec Eugène Atoubé. C'est la capitale de la région du Folon. Minignan fait partie des localités nouvellement érigées en chef-lieu de département. À partir d'Abidjan, ce sont près de 1120 km qu'il faut parcourir avant d'arriver à destination. Un voyage qui se déroule sans difficulté majeure jusqu'à la sortie de Djeni. Commence alors l'épreuve de la piste. 70 km de poussière et de latérite à travers un vaste champ d'anacarde et une savane fortement arborée. Aller à Minignan aujourd'hui
est un véritable parcours du combattant, malgré une évolution notable passé le temps du calvaire. Souvent, il faut emprunter les camions de bœufs et puis les Kia. Donc, arrivé à certaines distances, on doit descendre pour monter la corde. D'abord, le chauffeur doit s'avancer d'abord avant qu'on puisse encore aller. Le camion ne venait pas. C'était les petits camions qui venaient. La voie n'était pas bonne. Donc, comme actuellement, la voie est bonne, les cas viennent maintenant. Ce qui frappe à Ménignan, c'est l'aspect de la ville. Caserande au toit de paille, maison à l'ancienne vieillie et bâtisse à l'allure moderne forment l'habitat de cette localité à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Ce décor éminemment rural contraste violemment avec le statut de chef-lieu de région. Conséquence, Ménignan doit faire face à de nombreux défis en termes de commodités et de progrès. Nous avons problème de logement. Ici, vous êtes obligés de dormir 2-2 ou 3-3. Ça, ce qui n'est pas normal, comme si nous sommes encore au lycée. Donc si vraiment on pouvait faire quelque chose pour nous les fonctionnaires, ça allait nous faciliter parce qu'il n'y a rien ici. Il faut forcément aller à Odiéné pour faire les courses. Au niveau des denrées alimentaires, il faut reconnaître que ça vient de soit de Ma ou de Daloa. Et même quand ça vient, pour qu'on puisse nous alimenter, c'est un peu difficile parce que c'est moi qui vais d'abord à Sokoro avant de revenir sur Ménignan. Donc pour s'approvisionner, c'est un peu difficile. Et même quand ça arrive, ce n'est pas tout le monde qui arrive à avoir ces denrées-là. Tous ces manques que les populations de Ménignan épinglent avec une pointe de regret et parfois même de déception ajoutent au principal mal que constitue la route. Nous avons relevé durant notre séjour qu'à Ménignan, il n'y a aucun réceptif hôtelier. Trouver un habitat pour les fonctionnaires est une véritable casse-tête. Aucun établissement financier, aucune station d'essence. Les coupures d'eau sont le lot quotidien des populations et l'électricité est de très mauvaise qualité. On relève aussi qu'à Ménignan, l'activité économique est très faible et la vie extrêmement difficile. Dur de vivre à Ménignan où les fonctionnaires appellent l'État à la rescousse. Que les populations de Ménignan se rassurent, de gros investissements sont en train d'être faits dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Plus de 10 milliards de francs sont réservés pour des travaux d'envergure dans trois secteurs que sont l'électricité, l'eau et les infrastructures routières. Et par ailleurs, la première dame de Côte d'Ivoire, dans le cadre de ses actions sociales dans le district du Dengélé, a choisi Ménignan. Pour ce département, Dominique Ouattara a fait don d'importants lots de matériel d'une valeur de 100 millions de nos francs. Compte rendu, Thomas Guessambi. Fin de la première partie de l'action sociale de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, dans le district du Dengélé avant l'arrivée de son époux. Ménignan, le chef-lieu de région du Folon, fait office du théâtre des opérations. Avant même la réception des dons, la reconnaissance d'un département symbolisé ici par ce geste d'une centenaire, témoin de l'histoire du Folon. Dans ce rendez-vous empreint d'émotion, Nadine Sangaré, la représentante de la première dame, a tout de même le temps de remettre officiellement de la part de sa mandante les dons d'une valeur de 100 millions de francs CFA aux populations de Ménignan. Face à ce troisième geste, le plus important de la première dame pour Ménignan, Sidi Bevali, maire de la commune, peut surmonter son émotion pour traduire la gratitude des siens. C'est moi qui suis le maire le plus comblé, le plus satisfait, parce que mon inquiétude, ça a toujours été les femmes enceintes qu'on transporte vers l'hôpital de Djéné. Et nous avons une ambulance qui tendait vers la tombe, et vous venez nous ressusciter avec une nouvelle ambulance. C'est là où vous êtes, Nakwaba. Au total, ce sont 500 millions de francs CFA de dons que la première dame Dominique Ouattara a offert aux différents départements du Folon et du Kabadougou avant la visite d'État de son époux, le président Alassane Ouattara. Et puis retenez que la première dame de Côte d'Ivoire rencontre les femmes du Dengélé au stade Mamadou Koulibaly demain jeudi à partir de 15h pour la cérémonie du FAFSI, le Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. Et puis le président de la République sera demain jeudi à Ménignan pour son premier meeting à partir de 10h30. Et puis le Conseil des ministres s'est délocalisé à Odiéné. Le préfet de région a pris part aux travaux qui ont porté essentiellement sur les questions de développement dans le district du Dengélé qui bénéficie d'importants investissements d'une valeur totale de plus de 73 milliards. Et puis la première journée de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions de Kabadougou et du Folon
Alvar Assa a échangé avec les ministres des Sports, du Tourisme, du Commerce, de l'Urbanisme. Tous entendent œuvrer pour redynamiser leur secteur pour contribuer au développement de ces régions. Et c'était après le Conseil des ministres. Conseil des ministres dans le district du Dinguélé avec des questions liées au développement des régions du Kabadougou et du Folon, et cela dans plusieurs secteurs d'activité. Lors de mon premier passage au ministère des Sports, nous avions entamé et initié un vaste programme de réhabilitation. Mes successeurs ont continué, mais nous savons tous que nous avons connu la crise. Et aujourd'hui, il faut reprendre cela parce que la prestation de nos équipes se ressent. Quand on joue sur un mauvais terrain, je crois qu'on ne peut pas attendre de très bons résultats. Donc il faudrait qu'en relation avec les présidents de région, avec les maires des communes concernées, nous puissions avoir une réunion pour pouvoir voir exactement comment réhabiliter ces infrastructures et surtout comment les entretenir. Outre le sport, il y a le secteur touristique. Le ministre Roger Kakou promet soutenir la direction régionale du tourisme avec un budget secteur privé État de Côte d'Ivoire pour relancer les activités dans le district du Dinguélé. La région en a besoin. Il y a de fortes potentialités touristiques. Et bien sûr, plus on a de moyens, mieux on peut faire. Donc on espère convaincre le gouvernement de mettre des moyens à disposition du secteur du tourisme. Selon le ministre Jean-Luc Bion, le commerce dans le Kabadougou et le Folon va se développer les jours à venir. C'est toujours pour nous important de venir sur le terrain, de rencontrer les populations, de voir leurs préoccupations. Alors à l'occasion d'un conseil des ministres que nous faisons sur place, comme vous voyez, il y a toutes des réalisations qui se font, des améliorations d'infrastructures. Chaque ministre prend le pouls de son département. Donc en ce qui me concerne, bien sûr, c'est une région qui est dynamique en termes de commerce et qui est en train de se désenclaver en raison des infrastructures qui vont être construites. Le problème du logement étant crucial, le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme soutient pour sa part que les chantiers sont en cours de réalisation. Odiené a connu un retard, mais Odiené, en tout cas, aura le même rythme d'Abidjan à partir d'octobre prochain. Au-delà de ces secteurs, les régions du Kabadougou et du Folon, avec cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, vont assurément se remettre dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu du Conseil des ministres vous sera proposé, bien entendu, dans nos prochaines éditions. La ministre de la Communication, Afusiata Bamba Lamine, fille du district du Dinguélé, était à Samatigila, Bako et Fula, où elle a appelé à la mobilisation des populations autour de la visite d'État qu'effectue le président de la République dans leur région. Abou Sanogo, reportage. Samatigila, Bako, Bougousso et Fula sont les localités visitées par le ministre de la Communication, Afusiata Bamba Lamine, fille de la région du Dinguélé, précisément du canton Bambala. Partout où elle est passée, Afusiata Bamba Lamine a eu droit à un accueil des plus chaleureux. Les populations ont tenu à lui exprimer leur gratitude et leur reconnaissance pour tous ses efforts en faveur du développement de leur région. À Bako, procédant au lancement de la fête des maires édition 2015, organisée par le réseau C121, Association pour le développement politique, économique et social de la circonscription de Bako, Afusiata Bamba Lamine, accompagné de son époux, a invité la population à l'union, à l'entente et surtout à la mobilisation totale autour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Dinguélé et du Folon. C'est le retour, je dirais, du fils prodige qui revient donc chez lui. Nous sommes heureux et fiers vraiment de l'accueillir, de savoir que notre fils a démontré par ses talents combien il a pu reconstruire et relever la Côte d'Ivoire, parce que nous savons que nous venons de très loin. Nous allons lui faire une fête et c'est pour cela que toutes les populations du Folon et du Kabadougou doivent sortir nombreuses pour l'accueillir. Même message à Fula dans le canton Bambala qui comprend 12 villages. Et là, elle a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau chef de Fula, Bamba Broulaye, qui a reçu son arrêté préfectoral des mains du ministre Afusiata Bamba Lamine, fille du village. Présentation des membres de la mutuelle de Fula, danse et remise de dons ont mis fin à la cérémonie. Voilà, demain, le chef de l'État sera à Mignan pour son premier meeting à partir de 10h30. Et puis dans l'après-midi, le président Alassane Ouattara est attendu à Kaniasso à 15h pour son second meeting. Et puis le chef de l'État va parcourir donc tous les départements
des régions du Kabadougou et du Folon. Et les femmes du Dengélé sont attendues en grand nombre demain à partir de 15h au stade Mamadou Koulibaly pour recevoir leur chèque dans le cadre du FAFSI et des dons de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal spécial. À demain, même heure.